Cyril Duverger, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es ici au sommet parce que tu as fondé un mouvement qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat, la CEC. Alors, pour faire clair, c'est 150 dirigeants et dirigeantes que tu as réunis pendant 11 mois, enfin qui se sont réunis pendant 11 mois avec un objectif qui est d'aligner le monde de l'entreprise en France avec l'accord de Paris sur le climat. Et la structure, elle est assez simple, c'est 6 sessions de 2 jours au terme desquelles chacun de ces 150 dirigeants doit accoucher de sa propre feuille de route. Tu es bientôt à la fin de ces 11 mois. Comment est-ce que progresse la gestation de ces feuilles de route ? Alors pour nous, c'est la clé, hein. C'est vraiment ce livrable sur lequel on s'est engagé. C'est 150 feuilles de route inspirantes et aussi à la hauteur des enjeux. Donc on a eu toute une première phase qui était une phase sur la prise de conscience de l'urgence et une deuxième phase qui vient de se terminer qui était sur le comment transformer un business model pour qu'il soit régénératif. Et c'est l'ambition qu'on s'est donnée, c'est de redonner à la planète plus de ressources qu'on en prend. Et ça, c'est un cap extrêmement difficile. Il y a très peu d'entreprises dans le monde qui savent le faire. Et donc maintenant, l'envie est là. On vient de faire un sondage, on a eu 4 sessions. On a 70% de nos participants qui se disent prêts à aller vers ce nouveau business model régénératif. Mais il y a encore ce comment faire. Et donc, on vient de poser un format qui va permettre à chaque entreprise, chaque dirigeant de se donner cette feuille de route. Quels sont ses axes de redirection ? Et comment faire atterrir des projets très concrets et aussi comment mobiliser les équipes. Parce que le dirigeant seul ne pourra pas, s'il n'emmène pas tout son équipage, ça sera le sujet de la session 5 mi-mai à Lyon, embarquer l'équipage vers cette feuille de route. Et puis au mois de juin, fin juin, il y aura une séquence où elles vont être présentées officiellement à notre comité des garants, à des personnalités qui vont venir pour dire voilà ce que c'est qu'un business model régénératif. Okay. Et puis ensuite, il faudra vraiment faire atterrir très concrètement. C'est un cap qui est donné à 2030 et notre intention, c'est de poursuivre le mouvement pour dire très concrètement comment ça va se dérouler. Pourquoi 2030? Ça paraît presque loin dans le temps face aux urgences c'est du moment. C'est hyper loin dans le temps. Mais en fait, on ne cherche pas des actions qui sont à la marge. On cherche des actions de transformation en profondeur du business model. Donc, par exemple, on a Renault Trucks dans notre sélection. C'est une manière complètement différente de concevoir des camions. Peut-être même de ne plus produire de camions, mais de les recycler, de les faire durer plus longtemps, d'offrir une mobilité différente. Donc ça, c'est vraiment des transformations en profondeur. Que ce soit réaliste, que ce soit puissant. Faut que ça soit réaliste, mais on espère que l'impact sur le carbone, l'impact sur la biodiversité va venir beaucoup plus vite. Bien sûr. Mais on veut se donner aussi un narratif à la hauteur des ambitions. Et pour ça, il fallait se projeter un peu dans le temps long. En parlant d'ambition, les entreprises du CAC 40, manquent un peu à l'appel. Pourquoi ? On a eu, c'est vrai, beaucoup de mal pour les recruter. Pour deux raisons essentiellement, il faut dire les choses. La première, c'est une question de temps, puisque, comme vous l'avez dit, on était 6 fois 2 jours. Donc 12 jours, c'est énorme pour un patron du CAC 40, c'est vrai. Et puis la deuxième, c'est que beaucoup de ces entreprises sont structurées pour dire que tout ce qu'elles font, c'est bien et que c'est suffisant. Elles ont des fonctions de communication qui vont finalement dire « on a déjà notre feuille de route ». Donc là, il y a 2 enjeux et on travaille là-dessus parce qu'on veut les embarquer dans la prochaine vague. Il y a un enjeu de proposer un format un peu plus condensé qui peut s'adapter à l'agenda des patrons du CAC 40. Et puis, il y a un enjeu aussi de dire « ok, maintenant, la question, c'est de challenger les feuilles de route et d'aller un cran plus haut ». Et c'est ça qu'on va proposer dans une démarche assez bienveillante, mais en même temps, on les attend au tournant parce qu'on a besoin d'elles pour faire la bascule. Et on peut faire en 6 heures le même effet que les 2 jours de la première session dont certains dirigeants ont beaucoup parlé par voie de presse en disant qu'ils avaient vraiment pris une claque et que ça avait agi comme un accélérateur incroyable de leur prise de conscience. Alors on a en ce moment un prototype, parce qu'effectivement, le début de tout ce parcours, ça doit être la claque, la prise de conscience en profondeur. Pas que sur le sujet du climat d'ailleurs. Il faut aussi regarder tous les diagnostics pour se rendre compte vraiment de l'urgence à organiser un reflux de notre présence sur la planète. Et donc, c'est vrai qu'au niveau pédagogique, arriver à faire ce tour de force en 6 heures, c'est un gros challenge. On pense qu'on a une mécanique, une conférence et aussi un moment d'écoute, d'accueil émotionnel de ce qui est vécu. Et en 6 heures, on a fait un test et ça marche. Ça donc marche. On est prêt à dérouler. Par rapport justement à la perception, et vous parliez de communication, 75% des Français aujourd'hui se disent méfiants à l'égard des engagements sociaux ou environnementaux pris par les sociétés. Et 42% d'entre eux les trouvent superficiels. Qu'est-ce que vous faites de ça quand vous êtes... Nous, c'est la raison d'être de la CEC. Si finalement...
les actions étaient à la hauteur des enjeux et si la sincérité se ressentait dans les transformations des entreprises, il n'y aurait pas eu besoin de faire une CEC. On aurait dit la RSE est en train de faire le travail. Or, le travail n'est pas fait. Les courbes ne sont pas en train de s'inverser. Donc, moi, je leur dis, ils ont raison. Et justement, il faut faire baisser ces pourcentages en travaillant la sincérité des entreprises. Et la sincérité, elle se ressentira quand les actions seront à la hauteur des enjeux. Et donc, quand on verra aligner, donc on verra des renoncements, on verra des offres qui vont disparaître, on va sortir du superflu, on va envisager beaucoup plus d'économie circulaire, beaucoup plus de collaboration entre entreprises, et ça va se sentir. Le consommateur, il perçoit la sincérité. Que le ciel t'entende. Donc, exactement, c'est là où on verra si la CEC remplit sa fonction d'être, de monter des curseurs, y compris au niveau de la sincérité des dirigeants dans leur communication. Et justement, par rapport au rôle de la CEC, il y avait déjà la communauté des entreprises à mission, il y avait déjà la C3D qui embarquait les directeurs du développement durable, et puis la Convention citoyenne du climat, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il fallait rajouter une convention ? On s'est beaucoup posé la question, parce que surtout, comme on est une association et on est des bénévoles engagés dans ce mouvement, on le fait vraiment par conviction d'impact et d'avoir du sens. Tous ces interlocuteurs, ils font partie de notre comité des garants. Donc, les entreprises à mission, le C3D, mais aussi des mouvements patronaux. Donc, nous, on ne se présente pas comme là pour remplacer ou pour avoir un quelconque territoire. On est vraiment un accélérateur de particules pour emmener plus largement et étendre en fait cette ambition. Et aussi, on travaille en collaboration avec tous ces organismes qui sont soit partie prenante ou qui font des conférences avec nous, qui vont permettre de relayer. Donc voilà, on est du renfort et on essaye de se mettre plutôt en position méta pour être un accélérateur pour l'ensemble du mouvement. Et on a besoin de toutes les forces dans la bataille. Et le mot méta est placé. C'est vrai. Mais d'une façon différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre ici. Exactement, ouais, c'est du méta pour tout le monde. Merci beaucoup, Eric. Avec plaisir. À bientôt.